Il m'apaise. Parce que voilà, il y a une forme de silence, il y a une forme de calme ici. Les notions de temps sont différentes. On a retrouvé cette sensation du désert, du vide, de la solitude. Depuis qu'on est ici en Arabie Saoudite, il y a surtout un vrai plaisir du retour au désert absolu. Et ça fait du bien d'avoir sa petite dose de désert de temps en temps, ça remet les choses à leur place. Je suis à la recherche d'un équilibre permanent entre le difficile et l'impossible. Je suis plutôt tout le temps sur le film, de savoir où je dois doser, comment je dois doser, pour que ça plaise aux uns et aux autres et que tout le monde y trouve, entre les amateurs et les pros, son chemin, son plaisir et son aventure. On est en haut, ils vont en haut et on est ceux qui passent, non ? C'est vrai qu'au départ, c'est une vraie feuille blanche et on a aussi une idée de ce qu'on veut raconter au travers du Dakar qui va venir. En fonction de ce qui s'est passé sur le précédent, des ressentis qu'on a eus, de tout ce qu'on a pu entendre, c'est ça aussi qui m'aide, qui nous aide à écrire le suivant. Je mets dans ma bulle, j'ai pris tous mes renseignements, je sais vers où je veux aller. Je commence à le gratter, puis je le partage après avec mes équipes. C'est quand même particulier ce qu'on fait. On est dans des endroits incroyables. On est tout seul ici au milieu du désert, on vit des aventures aussi. Mais c'est toute la journée dans les galères, les coups de, les entraides, les petits mots à la radio, etc. Puis ça fait partie aussi de mon job, c'est de pouvoir les sublimer quelque part et de les garder avec moi pour sortir le meilleur d'eux et que ça, à la fin, le Dakar en sorte grandi. Il y a quand même quelque chose de fort ici. Vous arrivez dans des immensités, vous ne voyez plus personne, plus vous cherchez votre route, vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne ou pas. Il y a toujours une espèce d'appréhension de se perdre, pas se perdre, de rester bloqué. Si on trace le rallye, on ne le trace pas pour nous, on le trace pour eux. Le désert est quand même fascinant. Il peut faire peur, mais la peur fait aussi partie de ce qu'on a envie de trouver. Je crois qu'il y en a beaucoup qui la cherchent aussi. C'est une forme de se redonner, de chercher ses limites, de se repousser, de se chercher. Et c'est aussi enrichissant pour tous. C'est une libération, le désert, c'est un apaisement quelque part. C'est un apaisement parce que, voilà, on se retrouve nous, le désert, le reste on l'oublie et ça permet de vivre autrement et différemment. Et quand on revient, le choc est toujours terrible.